Grand frère, ça va bien, non? Voilà, commence à balancer la vidéo. On va écouter son d'abord. On va écouter Ciseaux rapidement. Écoutez le son, si c'est bon, dites-moi. On va parler en fait. Concernant ce qui s'est passé. Voilà, il faut te calmer, hein? C'est pas bon. Ok, salutations personnelles à toutes et à tous. Et ça fait deux jours. Voilà, le gouverneur, je me porte pas bien, mais on va faire cette vidéo là pour que vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire ici merci et pour tous vos soutiens en commentaire, pour vos messages, voilà, etc. etc. Vous n'avez même pas insisté de m'appeler, même actuellement, mais ça continue de m'appeler. Les messages viennent à gogo. Voilà, ça me va droit au cœur. Voilà, quand c'est ça en fait, et vous le savez, quand tu sors de chez toi net là, tu vas tout attendre, tu vas tout voir et tu dois tout encaisser. Quel que soit X, mais arrivé à un moment donné, on doit mettre fin à ces petites bêtises-là. Au niveau des petits racistes, hein, après des racistes-là, on doit mettre fin à cela, car c'est très important. Voilà. Quand on voit les footballeurs sont traités des négros, machin, machin, et puis, et même ils arrivent encore, nous-mêmes, hein, nous-mêmes qui n'ont rien, même là, et bien sûr nous-mêmes. Là. Mais on doit montrer aussi de quoi on est capable aussi, on doit montrer aussi on est civilisé. Et chez nous en Afrique, la civilisation, c'est de ça qu'il s'agit. Mais bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voilà, je vais d'abord vous présenter ici une maison de production très rapidement, car vous le savez que je suis le gouverneur. Voilà, il s'agit de Dia Production. Voilà, on va vous prendre rapidement, on va parler de cet mouvement là et puis je vais rentrer dans le but du sujet. Vous comprenez un peu. Car il y a beaucoup de choses à expliquer en fait. Hein? Voilà, donc restez branchés. Voilà, Dia Prods, voilà, c'est une maison de production d'artistes. Vous comprenez un peu. Voilà, ils sont précisément Congo-Brazzaville. Vous comprenez un peu. Donc, tous ceux, je dis bien, tous ceux qui se sentent artistes, qui ont des projets, tous ceux qui sont dans le showbiz africain, qui sont dans les bons événements,
qui veut collaborer avec des gens aussi pour qu'on puisse les entendre partout dans ce monde-là, n'insistez pas, je vais mettre le numéro. Vous comprenez, car il y a beaucoup de talents en Afrique. Mais si on a des volontés qui viennent se mettre dans ce domaine-là et qui viennent produire la nouvelle génération, autant pour moi, chacun de nous doit tenter sa chance. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et il y a des maisons de production aussi qui sont là. Et ne savent pas comment faire. Ils n'ont pas assez de relations. J'aimerais vous dire ici, cette maison de production qui est en Congo-Brazzaville, ils sont prêts, ils sont internationaux. Ils sont disponibles à tout le monde. Vous comprenez un peu? Raison pour laquelle on les appelle Dja Production. On appelle ça Dja Prod. Vous comprenez un peu? Donc, tous ces gens-là, je vais mettre leur numéro ici. Ceux qui sont intéressés. Voilà, que ce soit. Et des producteurs aussi qui ont des artistes qui n'ont pas assez de capacité pour se mettre à un niveau. La tire, qu'on appelle la maison de production, est disponible. Elle est ouverte à 24 sur 24. C'est de ça qu'il s'agit. Voici un peu comment la maison de production travaille. Je vous fais écouter, je vous ai fait écouter cette question-là. Écoutez un peu avec moi. Écoutez un peu. Ce sont eux qui ont fabriqué ça. Voilà. L'artiste s'appelle Ciseaux. Et là, comment la maison de production travaille? Et puis, je vais vous dire encore, c'est pas comme les maisons de production qui prennent les artistes et puis et laissent l'artiste même comme ça se livrer toute seule. Non, il ne s'agit pas de ça. Ces derniers, quand je suis allé sur sa page Facebook, il est vide. Il a vu, c'était un miracle là-bas. Comment elle s'équipe de l'artiste en fait? Quand il dit tu es artiste, il a vu même comment il s'équipe de l'artiste. Que ça soit quoi et quoi et quoi et quoi. C'est-à-dire, ils vont mettre tout à la disposition de l'artiste. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez un peu? Donc, cette maison de production est disponible. Donc, tous ceux qui veulent nous prendre la marche, il n'a même pas insisté de vous donner le numéro, car chacun de nous. Voilà, on a des talents qui sont cachés en Afrique et machin, machin. Et aussi, il y a des gens aussi qui aiment le travail, mais ils n'ont pas assez de moyens pour s'investir. Et il y a des artistes aussi, bon, il y a des grands artistes aussi qui n'ont pas assez de capacités pour s'en sortir. Tu es grand artiste, tu as des grands talents, mais tu as des talents toi. Mais je m'étais dit ici, viens découvrir cette maison de production-là et tu vas comprendre de quoi il s'agit. Donc, pour prendre notre frère en Guinée, Brazzaville. Donc, vous pouvez prendre le numéro directement 0024. Voilà, 0024 et 05 05 26 06. Voilà, on répète 0024 20 50 52 73. Ah, c'est vous avez compris le numéro, car le gouvernement ne suis pas en tâche. Mais il vient sur ça. Il dit bien 00 24 20 50 52 73. 60 et puis 13. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent tenter leur chance, tous ceux aussi qui veulent rentrer dans ça, en contact avec ces gens-là, n'insistez pas de rentrer en contact avec eux. Et aussi, il y a la page de l'artiste même en question. Voilà, l'artiste même, au jour à venir, on va toujours faire pour. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc, n'insistez pas. Tapez sur sa chaîne tout simplement. Ciseaux. Voilà. Abonnez-vous sur sa chaîne. Ciseaux. Vous comprenez un peu. Abonnez-vous sur sa chaîne. Vous verrez cet miracle là-bas. Vous verrez aussi sur sa page Facebook. C'est pareil. Vous verrez comment les mouvements fonctionnent. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc, bon vent à vous. Et soutien à vous. Tentez votre chance. Car c'est comme ça dans le monde là. Il faut tenter ta chance. Il y a beaucoup de talents qui sont cachés en Afrique. Car ils ont problème même. Mais tentez vos chances dans cette maison de production. Ceux qui ont des bons objectifs, ceux qui sont, qui sont capables de montrer miracle, de se démontrer à plus B, on parle de ces personnes-là. Il faut te déclarer. Mais on ne parle pas de danser des bébés. Hein. Tu vas là-bas, on te met à la porte. C'est déjà, il s'agit bande de plaisanter. J'espère que je me suis fait entendre. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet concernant mon agression. Le 9 décembre 2020. Ou bien c'était hier, non? Hier le 10. Hier le 10, autant pour moi. Hier le 10. Voilà. On était au boulot. J'étais en train de travailler environ 7h30. 7h, 8h par là.
Je suis en train de travailler. Vous-même, vous savez, il y a des marchandises qui vont dans les différents pays de l'Europe. Donc, c'était. Nous, on ne fait que scanner les marchandises, ce qui doit partir dans différents pays, et il faut. Non, il faut mettre le c'est quoi appelle celui qui doit partir dans tel pays, Suisse, Hongrie, Macédonie, comment on appelle les faux pays là même, comment on les appelle même faux pays là même là. Roumanie. Vous comprenez un peu? Roumanie, excusez-moi, il y a un appel. Ça fait plusieurs fois depuis que tu m'appelles. Je ne connais pas le numéro là-haut. Je suis désolé. Vous comprenez un peu. Les machines qui vont en Roumanie, machin, machin. Donc, c'est notre devoir de scanner, écrire dessus, tel truc doit passer dans tel pays, tel truc doit passer dans tel pays. Donc, j'étais en train de prendre les cartons là pour positionner, pour scanner. Y a une fille qui était arrêtée au fond. Il y a quelque chose de 2,50 m entre nous. Il dit bien 2,50 m qui est entre nous. Elle s'arrête. Elle me regarde droit dans les yeux. Excusez-moi. Et alors? Ouais. C'est qui? Donnez-le. Hey. Bon, non, non, je ne connais pas ton numéro là, non, je connais pas le numéro ça. Eh bien, ça fait ça que tu m'appelles là-bas, donné là, non. Ok, là, nous m'a mis le non, comme mes lives là, Facebook, enfin, nous m'a mis le hein. Voilà, nous m'a mis ça, nous m'a mis le là, non. Donc, vous comprenez un peu. Je suis ici, quelque chose de 2 mètres distance, 2 mètres 50. La fille me regarde droit dans les yeux, elle me dit nègre. Et ses frères ont commencé à rire. J'ai dit Vas? J'ai dit quoi? Elle me dit nègre. Black. Je suis parti envers la fille. Et vous savez, ici en Allemagne, on ne porte pas main à quelqu'un. Même pas en Allemagne, même partout dans le monde, il ne faut pas porter main à quelqu'un. Si au moins c'est dans la rue. Ou quelqu'un qui vient tomber sur toi, tu as le droit de te défendre là-bas. Mais déjà, du moment où vous êtes au travail, faites très attention. Donc, je suis venu envers la fille. Il dit, qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as un problème avec moi? Qu'est-ce qui te fait dire que puis tu me regardes droit dans les yeux, puis tu me dis nègre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu me traites de nègre. Et je te parle, tu me dis black. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Maintenant, ses frères qui riaient de gauche à droite. Je suis là discuter avec la fille. Il dit, c'est le truc raciste. Il dit, faut pas qu'elle va parler les trucs comme ça. Il dit, ça ne se dit pas. Et puis, de même là, ton allemand même là, c'est bizarre. Et donc, c'est le truc là, il faut pas faire. Si tu fais ça peut te créer des problèmes. Il faut plus faire ça. Il faut arrêter ça. Ses frères qui sont à côté, ils n'ont pas cherché à comprendre. Il vient par derrière. Ils sont venus beaucoup par derrière. Ils ont attrapé mon cou. Ne riez pas. Hein. Arrêtez vos conneries de merde là. C'est un truc au sérieux. Vous voyez un peu. Il attrape mon cou. Il met son doigt là dans mes yeux. Et puis il commence à me faucher. Brou, 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 brou. Et tous ils sont venus se verser sur moi. Maintenant, je viens un frère ivoirien qui était là. Lui, le venu n'est pas hésité aussi. Pouvait les cafouiller, cafouiller, cafouiller. Donc, on a fini. Parce que d'abord, le mot nègre, ça peut. T'as dit, ce serait la même là. Je suis à eux. Je m'en fous de ce qui va se passer demain. Mais moi, je suis à eux. J'ai appelé le responsable de la société. Il dit, appelez la police. Il dit non. C'est-à-dire, elle veut fermer cette affaire-là. Parce que si ça vient comme ça, parce que plus pas d'eux là-bas, il y a beaucoup qui travaillent dans le noir. Il y a beaucoup qui ne sont pas déclarés. Beaucoup sont tra elles travaillent dans le noir. Donc, elle voulait masquer cette affaire-là. Elle me dit non,
la police ne vient pas dans la société là. Il dit, bon, appelez l'ambulance. Il me dit, non, l'ambulance ne vient pas dans la société là. Combien d'années en Allemagne? Combien d'années en Europe? Tu ne connais pas les lois de l'Europe? Il dit, mais cela parce que je suis un illettré bien somalien ou bien soudanais, très loin de cela. Combien d'années je suis dans cet pays-là que je connais pas la loi d'ici? Mais vous me connaissez très mal. J'appelais d'abord les responsables. Il dit, ah, voici le problème qui se passe. Il y a une fille qui me traite de nègre. Negro. Nègre. Black. Il dit, je dis à l'agence là d'appeler la police parce que le téléphone ne fonctionne pas dans l'entreprise. Et ils ont un talkie-walkie qui est là-bas. C'est ça seulement qui travaille là-bas. Il dit, le gars appelle la police et dit non, la police n'a pas droit de venir dans ce société là. Et l'ambulance aussi n'a pas droit de venir ici. Elle me dit non, qu'elle est sortie. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, le responsable dit, bon, il faut attendre dans 10 minutes, nous, maman, va te prendre pour t'amener à l'hôpital. Il dit, ah bon, pour me prendre comme ça, pour m'envoyer à l'hôpital, bizarrement comme ça, et puis on dirait rien. Il sait que je suis vraiment un nègre. Si c'est comment ça s'est passé, c'est que je suis vraiment un nègre, je suis vraiment un black. Il dit, mais ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai pris mon téléphone, je composais le numéro de la police, 110. Elle me dit, non, que Farboten, quoi c'est interdit? Il dit, chez vous là-bas, c'est interdit. Là où moi, je suis là, je suis sur mon territoire. Je suis libre maintenant de communiquer avec mon téléphone. J'ai appelé la police. J'ai expliqué le problème à la police. La police me demande que c'est vrai ce que tu dis. Ritish, il dit, ya. Il dit, non. Il dit, c'est vrai, c'est tout ce que tu as parlé. Il dit, c'est la vérité. La police dit, ok, il n'y a pas de souci. Il faut nous attendre dans 10 minutes. Viens au dehors, tu viens nous attendre. Si on passe, et tu nous signales. Je suis sorti au dehors, j'ai attendu la police. La police est venue. Il les a arrêtés. Ils sont venus, ils ont donné mon papier, ils ont donné mon papier, ils m'ont enregistré en même temps. Et comment dirais-je? Ben, en ce moment, maintenant, la tête, c'était rouge. Qu'on appelle? Mes lames coulaient comme ça. Donc, la police a pris les photos, tout. On est rentré dedans. Même le grand chef. Même le patron même de cette entreprise, c'est-à-dire après le boss, lui qui représente le patron, mais la chef d'entreprise, mais la police lui est pris. On est parti. Tous ceux qui sont chefs, il y a un tous ceux qui ont refusé d'appeler l'ambulance, d'appeler la police, il les a indexés tous. Et tous devant la police. Et pensez à lui. Elle me dit directement, non, moi des sorties. C'est-à-dire des sorties d'aller à la maison pour aller me soigner demain, y est venu. Ça va pas chez vous? Moi, j'ai sorti pour aller me soigner, c'est-à-dire de aller à la maison. André, je suis un animal. André, pays même d'abord, mais où je suis là même là. André, je connais pas mes droits. Mais tu m'as. La police est venue. Mon frère Ivoirien qui était là-bas, lui-même aussi, ils l'ont demandé, ils l'ont interrogé, il a expliqué correctement ce qui se passe. Maintenant, devant eux tous, maintenant, les responsables, genre ce qu'on appelle les managers. Voilà, dans chaque entreprise, il y a manager de chaque boy. Et les managers, comme ce sont ses frères, lui, il veut essayer de camoufler l'affaire. Que voilà, que dans les langues, en roumanie, que quand on dit nègre, que ça veut dire comment? Le grand chef même de l'entreprise a chié sur lui. Il dit, toi, viens en bas, comme Hunten. Descends en bas, reviens en bas. Ce que tu dis là, ça suffit. Faux. Voici ce que ça signifie. Devant les policiers. Ils ont pris et tous, ils ont enregistré tous. La police m'a dit, d'abord, il faut aller, tu vas travailler ou bien tu vas à l'hôpital. Ou bien tu vas travailler, si ça ne va pas, tu vas à l'hôpital. Il dit, tout mon corps m'est fermé, il n'est pas dans l'hôpital. On dit, ok. Je suis venu à l'hôpital. Ils ont passé radio, ils m'ont contrôlé. Ils expliquaient à mon docteur, j'étais victime de racisme et j'étais tabassé. Ils m'ont violenté au travail. Donc, voici mon certificat médical qui est là. D'abord, ça c'est mon, comment on appelle, papier
Le temps que je dois passer à la maison, je dois donner ça pour avec toi, les données pour mon assurance, machin, machin. Donc, vous voyez un peu. Donc, ça, c'est mon assurance qui est là. Et, comment on appelle truc là. Merci. Donc, c'est un papier d'hôpital qui est là. Je suis allé donner à la police. Quand j'ai fini, je suis allé à la police. Je suis allé déposer ça à la police. La police a pris. On dit, c'est ce qu'eux-mêmes, ils attendaient. Donc, on va pousser jusqu'au bout. J'ai déjà envoyé le fax à mon avocat. Je dois partir jusqu'au bout de mes idées. Je dois aller jusqu'au bout. Ce qui lui est pris, ce qu'il a pris, il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, nègre, il va expliquer cela. S'ils ont l'habitude de dire ça aux gens là-bas, on regarde les yeux pour dire, pour parler. Il faut regarder les yeux pour t'attaquer. S'ils ont l'habitude de dire ça aux Soudanais, aux Somaliens, ça c'est leur problème là-bas. Ou bien s'ils ont l'habitude de dire ça aux gens et puis elles encaissent, moi je ne vais pas encaisser cela. Quelque chose même qui est sur la toile, on n'a pas encore fini, on dit qu'ils ont arrêté le match dans 24 minutes, à faire des mêmes racistes. Tu viens regarder quelqu'un, rien, il n'y a même pas bonjour, vous ne parlez même pas les mêmes langues, mais toi ton langue, même quand tu dis en allemand, mais viens et te tuer, même tu ne comprends pas. Mais tu travailles dans le noir. Ils sont beaucoup comme ça qui travaillent dans le noir, dans cette société-là. Bon, ça ne me regarde pas même. Mais il suffit même de me dire même que nègre. Donc, c'est parti là. On va aller jusqu'au bout. Même si ce société-là même va fermer, ça va se fermer. Je suis à... C'est ça qui est la réalité. Donc, mon avocat aussi va poursuivre cette affaire. Comme déjà, on attend la police maintenant. La police va envoyer une lettre. Il va nous envoyer des lettres. Bon, voilà comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. Donc, voilà. On va à la justice. Moi, mon problème là, ils vont expliquer qu'est-ce qu'ils les ont pris et ils m'ont dit nègre. Ils vont expliquer cela. Donc, c'était un peu ça qui est là. Donc, j'ai été victime des racistes. J'ai été victime de cette connerie de merde là. Oh putain, partout dans ce monde, tout ce qui est peau blanc là, ils sont partout en Afrique. Il n'y a pas un coin de l'Afrique où tu n'as pas trouvé un blanc là-bas, un Européen là-bas. Ils sont partout. Donc, c'est pareil comme nous. Donc, tout le monde est libre de vivre où tu veux. Dieu a créé le ciel et la terre. Tu es libre de vivre où tu veux. Tu ne veux pas que des vies chez toi, dis-moi, je quitte ton pays, moi dans l'autre pays. Le monde est grand. Tu ne veux pas de moi dans ton pays, dis-moi, je ne veux pas de toi dans ton pays. Je n'ai pas de toi dans mon pays, il faut quitter sur mon territoire. J'ai quitté sur ton territoire, moi en France, moi en Italie, moi en Angleterre. Le monde est grand. Mais à quoi ça sert, tu me vois, tu me dis nègre. Tu ne me veux pas dans ton pays. Il ne faut même pas aller, il veut quitter sur ton territoire. Ah, c'est, le monde a sa limite ici. J'ai quitté sur ton territoire, moi dans l'autre pays. C'est comme ça. Tu ne veux pas de moi en Allemagne. Je m'en vais en France. Tu ne veux pas de moi en France, moi en Italie. Mange juste, je suis libre de vivre où je viens. À quoi ça te tu me vois dans le droit de pitié, tu me traites de nègre. Sécurité où? Il y a alliance entre nous. On est même chose. Il y a alliance entre nous. Il n'y a pas ça, cette alliance-là. Je ne permets pas cela. Et c'est de ça qu'il s'agit. Défendez votre couleur de peau. Quel que soit X, quelle que soit ta condition de vie, il y a certains trucs racistes qu'il ne faut jamais accepter. Quelles que soient les conditions de vie que tu mènes, quel que soit X, qui tu me suis, quel que soit X, on te traite de bizarre, il faut agir. La loi est libre pour tout le monde. La loi est faite pour tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous-mêmes, on ne se fait pas respecter, qui va nous respecter? Quand j'ai fait un petit poste là hier, pour dire ouais, que j'étais victime d'agression, de racisme, je vois certains blacks. Je vois certains noirs dedans qui mettent ça dans moquerie. Moi, je ne pouvais pas parler. Bon, il y en a beaucoup. Même si ton frère est en Europe, même si ton mec est en Europe, tu ne peux pas me dire que depuis que tu es ici, là, que tu n'as jamais subi ce truc-là.
Tu as subi, mais tu n'es pas capable d'appliquer. Et c'est ça, sinon tu ne peux pas me dire. Ils t'ont jamais craché un jour. Ils t'ont jamais endossé un jour. Ils ne t'ont jamais parlé de ça un jour. Tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas moi me dire ça. Que depuis que tu es en Allemagne ici, en Europe, mais tu n'as jamais vécu ces trucs-là. Tu ne peux pas me dire ça. Même si tu viens aujourd'hui, tu vas subir ça. Mais à un moment donné, il faut mettre fin. À un moment donné, mets fin. Tu ne veux pas de moi dans ton pays, dis-moi ouvertement. Je ne veux pas de toi dans mon pays. Quitte. Je quitte sur ton territoire. Moi, sur leur territoire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu n'as pas me dit que non, que de quitter ici et je suis interdit dans toute l'Europe. Non, tu tombes pas bien d'abord même. Tu n'es pas de moi en Allemagne. Tu n'as pas me dit que je ne vais pas vivre en France, mais je ne vais pas vivre en autre pays. Tombe pas bien. Tu n'es pas de moi en Allemagne, je suis d'accord. Moi, de l'autre côté. Moi, dans l'autre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on doit se faire respecter. C'est de ça qu'il s'agit. On doit se faire respecter. Si vous avez vu que ces gens-là, ils ont l'habitude de dire aux gens, à les noirs, nègre, 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 nègre. C'est parce qu'ils ont, ils ont l'habitude. Mais il dit, ça sera fin. C'est-à-dire, il n'y a pas là. Il dit, depuis que ce société est créée, la police n'est jamais venue là-bas. Il dit, moi j'ai mes fins. C'est moi, j'ai envoyé police ici. Je connais mes droits. Je pourrais les violenter aussi. Mais je n'ai pas violenté. Il m'est passé sur la loi de l'Allemagne. Ça a été dit. Premier jour, je suis venu en Allemagne ici. Mon premier papier, on dit, ici là, faut pas violer femme. Faut pas frapper l'homme. Faut pas voler. Faut pas faire, c'est-à-dire, faut pas voler le métro. Il faut être dans le norme. Depuis que je suis venu dans ce pays ici là, ça vaut combien d'années même? C'est beaucoup même, je suis dans le pays là. Je n'ai jamais volé le métro. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais discuté avec quelqu'un. Je ne me suis jamais battu avec des gens. Mon casier judiciaire est vierge. Mon casier judiciaire, c'est avec moi ici. Mon casier judiciaire, elle est vierge. Je vous la présente. Vous savez même là. Ça aussi, ça est trop loin là. Vous comprenez un peu? Mon casier judiciaire, ça est trop loin. Mon casier judiciaire est vierge. Je suis les lois. Ça, c'est pas parce que je suis pas cabri. Je suis. Mais je respecte cette loi-là. Donc, je marche selon les lois, sur les droits. Mais à quoi ça sert? Tu veux venir monter sur moi? Tu vois qu'ils ont l'habitude là. C'est parce que vous-même, là, vous ne vous faites pas respecter. Faites-vous respecter. Quand il y a un mouvement là, appliqué. Ne dis pas que ouais, comme je n'ai pas papier, ou bien je suis asilant, ou bien je suis tant. Donc si je fais ça, je n'ai pas avoir raison. Tu as ton droit. Même si tu es venu au dit, qu'ils ne t'ont même pas encore reçu dans le computer. Même si on t'a pas encore. C'est-à-dire, tu n'as même pas encore, il y a un bout de papier, mais tu as ton droit. Et c'est de ça qu'il s'agit. Si on ne veut pas de toi, ils n'ont pas de dire que tu n'as pas de toi. On quitte là-bas. Tiens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'homme est libre de vivre où tu veux. Celui qui dit qu'il ne veut pas de toi, qui te soutient pour toi, va ailleurs. Le monde est grand pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quel que soit X, moi-même, là, du coup, ça ne me plaît pas même. Du coup, des racistes, moi, je ne suis pas dedans. Mais, j'en ai marre. Vous comprenez un peu. Donc, cet mouvement-là, il a fait rentrer ça dans l'histoire, ici. Ici, en ce moment-là, il a fait rentrer ça dans l'histoire. Société-là, s'ils n'ont pas bien fait, société-là, même là, c'est un gros dédommage. Je suis un E jusqu'au cimetière. Ils ne laissent pas. Ce qui a fait qu'ils m'ont dit nègre, ils vont dire ça. S'ils ont dit ça aux joueurs sur le terrain, là, et puis ça ne les satisfait pas, là, c'est sur moi-même, là, encore, là, ils sont arrivés sur. Et puis encore, ce n'est pas dans la rue. Au moins, si c'est dans la rue, tu peux taper l'air pour gagner temps. Mais dans le lieu de travail, où je suis enregistré, je paye les taxes, je paye mes droits, je paye tout, je fais rentrer l'argent dans la caisse du gouvernement, où je suis, je ne dors pas bien, je me lève à quelle heure du temps pour aller travailler, dans le même truc là encore, ils avaient me traité de nègre là-bas, mais tu vas apprécier cette déconstruction là, tu vas apprécier. Je suis à E, je ne travaille pas dans cache-cache. Je ne travaille pas dans cache-cache. Je vous montrer quelque chose.
Ici là. Et puis Jésus vient dans le pays là. Première des choses. Vous voyez tout ça là. Mobilité des salaires. Vous voyez comment c'est beaucoup. Un mois. Mais là, imagine, ça fait combien d'années? Ça là. Tout ça là. Ça fait un. Deuxième bilan de salaire. Vous voyez tout ça là. Tout ça, c'est des bilan de salaire. Maintenant, imaginez. Il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas fait de dire que non. Il n'y a pas fait de dire que non, que travail noir. Non. Tout ça là, c'est bilan de salaire. Tout ce que vous voyez là. Tout ça, c'est bilan de salaire. Maintenant, imaginez. Tout ça là. Tout est bilan de salaire. Maintenant, ça fait combien d'années? Il travaille. Il ne travaille pas dans le noir. Maintenant, où je travaille pour faire entrer là dans la quête du gouvernement, toi, tu viens me traiter là-bas des nègres. Mais tu vas apprécier. Tu vas apprécier Yeshua et toi. Ce qui t'a poussé là. Tu vas me dire ça. Yeshua et eux. Voilà. Tu veux pas de moi. Dis-moi. Je veux pas de toi dans mon, sur mon territoire. Je quitte. Je quitte. Elles sont obligées de vivre ici. Je quitte. Mais quoi ça sert de mettre des nègres. Tu vas t'expliquer. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'était ma vidéo, les gars. Il m'a arrêté là quand même. Là, je commence à m'énerver même. On est ensemble, les gars. On se tire le mot. Ciao, ciao.